Allez, on va essayer de penser à mettre à jour le score et donc du coup on peut balancer la scène, voilà. Et là vous êtes bien. On est calé, donc Niv-Mizzet à droite et Jury à gauche, Rakdos versus 5C. A savoir que la version jouée par Koresh n'est pas un Niv-Mizzet mid-range, on va dire classique, c'est une version contrôle. J'ai ouvert la boîte, j'ai vu Remand, j'ai fait je referme la boîte. Genre aussi simple que ça. Moi j'ai vu Remand, j'ai fait j'arrête. Je ne regarderai pas ce qu'il y a après. On l'a déjà surpris jouer mes abords, c'est vrai. Voilà. T'es un pass of ancestry, clairement là, vu la version, on peut se permettre de jouer des tapants de T1. Le but c'est d'être tranquillement, d'arriver pépère, tour 5 avec les 5 mana et de contrôler la situation. Après quand Zurgo T1, c'est ce qu'on aime. On n'a pas Jury sur la table, je sais pas, j'espère qu'il n'a pas mélangé dans son pack. Ouais. Trium. Ça sent l'oubli de. Ça, la carte qui est à l'envers à droite n'a pas la même sleeve, je suis prêt à parier que voilà, c'est ouais, ça. Doit être ça. Très joli sleeve d'ailleurs. Et oui, pas ça et ouais. Mais si, ça, laissez-vous corrompre. Après tout, le stream s'appelle stream s'appelle les 3 tours. Après, pour le prochain, on aura peut-être le retour du frog. Le retour du frog. Mais je sais pas, il a changé 3 fois de deck. Hop, la petite attaque Zurgo, on enlève 2 points de vie. Voilà. Niv-Mizzet, hein, on rappelle, ça arrive sur le champ de bataille, on révèle les 10 cartes, on prend toutes les cartes de combinaison bicolore unique. Sinon, vous n'avez pas le droit de prendre de bon. Carte obscure. Carte obscure. Attends, moi je voyais. Waouh! J'ai un doute. Brainstorm en réponse. Tac. Jitaxian Infiltrator. Ouais. À chaque fois que vous sacrifiez un autre permanent, vous mettez un marqueur plus en plus sur Jitaxian Infiltrator. Évidemment. C'est fou à croire que c'est un outlet. Exactement. Et Jury aussi, du coup, à chaque fois que vous sacrifiez un permanent, on met un marqueur sur elle. Et quand elle meurt, du coup, elle inflige autant de. Du coup, la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'il y a un Ozolith qui est caché quelque part dans la decklist? Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'Ozolith. Il n'y aura pas d'Ozolith. Ozolith. Choqué pour Grégoire, on va être actif du coup sur ce rôle-là. On voit qu'il y a une dîme de mana dans sa main et on va plutôt. Oh, action pernicieuse. Action pernicieuse. Bonjour. Bonjour. Tu aimes les drops 2, tu ne les as plus. Ouais. Alors, si un anti-enchant par contre, là, il va faire l'avion. Alors, un anti-enchant en Rakdos? Ah, bah écoute, on sait jamais, hein. Ah, si, bah maintenant en noir, on a. En perdant autant de points de vie que le coup de mana. Ouais. J'ai plus le nom de la carte. Faut vouloir le jouer quand même. Faut vouloir. En vrai, limite, je préfère jouer Chaos Warp. Ouais. Apparemment, il y a un Chaos Warp qui est parti dans la salle ronde 1. J'ai entendu le bruit. Apparemment, c'est Gaoul qui l'a pris. J'ai entendu le bruit. Bah là, du coup, ouais, du côté de Florian, on se prend la tête, on se dit putain, on a envie de développer du board, et là, il y a ça qui nous dit. Tu sais que si tu développes, tu peux pas développer Jury. Et bah là, non. Jury est quand même un deck qui a pas un gros haut de curve. Genre, son haut de curve, c'est Jury en fait. Il y a très peu de cartes au-dessus. T'as une densité de cartes à deux qu'on voit dans la main de toute façon. Regarde le Mythouk Massacre qui saute sur un Pernicious Dean. Ouais. Il est là. Il va le poser. Si jamais il le pose. Il va dire je le pose en mode. Je le pose, pète ton Pernicious. Par contre, s'il pète le Pernicious, est-ce qu'il va quand même faire perdre les deux points de vie en face? Attends, c'est ça la question. Ouais. Ils vont tous partir en même temps en fait. Ils vont tous partir en même temps, je suis pas sûr. On va voir vite la confirmation si cette action Pernicious est craquée. Ce sera le timing. Ah non, il dit fin de. Oh, Marc, maintenant il peut. Il veut le faire à la fin de la phase d'attaque. Ouais, exactement. Vas-y, déclare tes attaques. Tu joueras rien avant et tu joueras main 2 tranquillement. C'est l'idée. Koresh qui est plutôt bien installé, même s'il a des points de vie en moins, il y a 12, c'est pas non plus, il n'y a pas péril en la demeure. Après, c'est un des problèmes de la version qui joue aussi, je trouve, c'est que tu as moins de moyens de regagner des PV. Non, il y a le Omnath. Voilà, attends, est-ce qu'il y a un fetch en main? Alors, est-ce que ça va être. On va le craquer. On va le craquer, donc dit 2. Si on n'oublie pas, il y a même le Mythouk qui part. Voilà. Et on est en train de l'oublier. Ah, ouais, si. Oui, Mythouk perd les 2. Voilà, hop là. Et du coup, on perd les 2 PV. Il gratte quand même un peu. Je pense que c'était vraiment le but de dire de forcer un peu le craquer maintenant. Il a un Eldrami Call. Il a l'Eldrami, ouais. Il a, mais en fait, t'as pas côté Jury, en on fait, a t'as le, pas envie. Le petit Rakdos. Malheureusement, t'as pas envie, t'as envie de trouver ton Fetch on top. Ouais. En vrai, il a le Fetch on top. Ça fait le Omnath dans Fetch on Niv. Ah oui, alors ça. Ou Strider, ça peut permettre de sacrifier pour faire des Scry, je crois, ou des Surveil. Alors quand il arrive sur le champ de bataille, on crée des 0-1. Enfin, une 0-1. Tu crées une chèvre. Une chèvre, et après, à chaque fois qu'on sait, on peut sacrifier une créature. Ah bah, bouffeur de charogne à côté. Non, ça arrive, c'est rituel. Dîme de mana. Dîme de mana, bonjour. Pour le bouffeur de charogne. Bonjour, ouais. Non. Moteur à sacrifice à côté de ce genre de créature. On a trouvé le land, ça peut permettre de faire quand même Omnath dans 4 PV. C'est pas mal. Ouais, hein. Je pense que c'est même mieux que de faire Niv-Mizzet. Pour l'instant, il a encore des cartes en main. Bah, Omnath 4 PV. Si tu trouves le fetch, tu le fais quand même. En plus, oui. Je vais pas mentir. Parce que là, s'il a un simple land.
Ça a pas l'air d'être ça. C'est pas un fetch. C'est un trium. C'est un trium. Ça fait 4 PV. C'est très bien. De toute façon, il allait rien faire pour 1. 4-4 sur la table. Pour 1, il allait rien faire. C'est celui d'à chaque fois qu'il va land drop, il va se passer des choses. On n'a pas envie de faire un Prismatic Ended sur une chèvre qui va se faire sacrifier pour Sky. Très clairement. À aucun moment. On va remonter à 14. Là, on est très très bien. Il n'y a plus que 3 cartes en main en face. Ouais. On a le si on des cartes clés, le Mayhem Devil qui dit à chaque fois qu'on va sacrifier peu importe quoi, on va mettre un où on veut. Du coup, quand ça fait, c'est fort. Jix, très bonne addition aussi au deck. Je sais pas si c'est si se jouer. Ouais, il le joue. Très compliqué, hein, par contre. Ouais. C'est un gros set. Très très compliqué. Jury. Jury qui arrive, qui touche le board. Un Grave Crawler. On aime bien ça. Créature oh un non, peu récursive. Oh, je viens de voir une carte dans le deck, j'ai envie de mourir. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu Lifetime Passholder. Ah. Il y a des attractions. Bah, il y en avait aussi chez Gris. C'est peut-être ça le gros tas de sleeves différentes posées sur oui, les côtés. Ça doit être ça. J'en ai marre. Il regagne 4 points de vie. Là, on se met très bien en jouant en 4 dragons. On va gagner 4 points de vie par tour quasiment. Bah, ah, il a un Cling to Dust. Il a un Cling to Dust, ouais, voilà, c'est ça, j'étais pas sûr. Donc là, il se met vraiment très très bien. Il fait Nivusette? Non. Là, en vrai, il va faire. Il va faire les bons choix, c'est de dire que je vais jouer maintenant. Bah, t'as pas besoin de jouer Nivusette. Il arrivera quand il y aura vraiment besoin de filer. C'est l'avantage de ça, c'est que ce deck te dit, mais même dans cette version-là, te dit que, bah, en fait, t'es bien. Tranquille, pas besoin de s'affoler. Et on va essayer d'exiler le générateur de chèvres. Ouais, on va sacrifier pour faire un scryant, on va essayer de trouver des réponses parce qu'on va en avoir besoin. On va mettre un marqueur sur Jury. Ouais. Scry 1 plus le marqueur. On peut sacrifier le Grave Crawler aussi. Sur le Grave Crawler, on peut le rejouer du cimetière, mais il y a une petite condition quand même, hein, c'est pas la fête au village. Il faut contrôler un zombie. Voilà. Est-ce que Jury est un zombie? Non, c'est un humain chaman. Humain chaman, heureusement. Donc pour l'instant, on va résoudre le trigger aussi du Jury, donc il va prendre son petit marqueur. En vrai, il n'y en a pas tant que ça des zombies. Hein. Les zombies sont à 1. En gros, t'as ce tribal zombie aggro pour permettre des drop 1 efficaces dans le deck. C'est exilé, on n'a pas sacrifié le Grave Crawler. C'est atteint, c'est masse critique des 16 permanents quasiment là. En vrai, je crois qu'il y en a 14. Le Grégoire. Elle est dans Bricole, en rituel, ok. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Il a envie de. Je suis assez bugué sur la décision. Il n'en joue pas. Bah non, il n'en joue pas en plus, lui, du coup, dans cette version. Qu'est-ce qu'il veut aller chercher? Je joue même pas Bob. Il prépare le tour d'après. Même Bird n'est pas présent. Et quitte à préparer le tour d'après, pourquoi. Pourquoi le faire maintenant? Oui, c'est ça. Ça m'étonne un peu. Ça m'étonne un peu de sa part. On va bien voir. Ah non, Fury, oui. Ah, c'est oui. Une créature c'est qui une... en effet, oui, on l'avait oublié celle-là. Voilà. Ça va pitch, on va pitch un peu. Un bon set quand même, hein, Modern Horizon. Ah ouais, là c'est. T'as c'est vu ça. D'ailleurs l'annonce sur Twitter en mode. On pitch Rokiri, on n'a rien à faire. Des gens de Wizard qui pensent à faire un Horizon du Legacy. Ah oui, ah ouais, là ils partent très loin. Vous vous souvenez du power level de Modern Horizon? C'était pas assez. Ouais. Et si on et du coup, on arrive à wipe le board, on va mettre 3. Ah, le problème, c'est que Jury a 3, on peut même pas dire on va gérer Omnath. Absolument pas. Donc ça va être dans la tête, et Grégoire se dit dans la tête, c'est très bien, parce que je vais l'air gagner de toute façon. Et il commence à bourrer, et donc du coup, on est à 16 partout, il a pas mis à jour la tablette. Ça va arriver. Non, il est plutôt bien. Je vois pas comment Jury peut remonter en fait de ce setup. Omnath va jouer tout seul. En fait, bah il a gagné 8 PV pour l'instant. Bah, et souvent, 8 PV dans un deck aggro. De mémoire, à l'époque, quand on calculait sur Karizev, 5 c'était l'enfer. Donc là, on a quasiment. 5 déjà c'était l'enfer. 5 c'était l'enfer. Dans Karizev, on se dit, genre, c'est très dur. Tomber 25 PV, ça devenait compliqué. Parce que j'avais une hypothèse de dire, le décès des fois était un peu trop gros et de dire de basculer. Parce que quand on était passé de 30 à 20 PV, c'est vrai que ça faisait beaucoup d'un coup. Genre au-dessus de 25, ça devenait complexe. Et, ouais. Alors, et le Mayhem dont on parlait. Le Mayhem Devil, il a un fetch sur la table, mais bon, ça va pas beaucoup. Il a deux. Non, un fetch. Non, c'est un Smoldering March. C'est un Smoldering March. J'étais en mode, c'est une. Non. Bah, du coup, fin de tour. Bah ouais, du coup, on va. Cling, MDR, on va regarder. On va enlever le crawler, non? On va enlever non, le. On fait le MeToo pour piocher. Ok. Bon, les PV maintenant, c'est bon, c'est réglé. C'est Omnath qui gère ça. On est stable, hein. Y'a plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans la main? J'ai l'impression qu'on a les contres. On a peut-être pas de terrain. Par contre, on peut plus attaquer avec Omnath. Bah ouais, parce que sinon, il se. Il bloque avec Mayhem, sacrifice du fetch, il ping. Et... Ouais, bah non, voilà. On a réglé, terminate. Voilà, terminate. Les bonnes cartes de Magic Class. Terminate, on va fetch en réponse histoire de mettre 1. Voilà. Je perds 1 pour aller chercher mon terrain, tu vas prendre 1, tu es à 15. Fever, ouais. Voilà. Hop là. Okay. Si Grégoire pouvait mettre à jour la tablette pour son opposant. Non mais il est pas habitué, il n'a pas l'habitude de cast. Ouais, c'est ça. D'habitude les gens le font pour lui. Exactement.
Comment il s'en sort le joueur de jury? Est-ce qu'il y a des outs? On va regarder un peu la liste. Genre, une carte qui pourrait retourner un peu la partie. Compliqué quand même, Ragnos. Bah, tu peux pas revenir en arrière sur le fait qu'il est. Alors, tu peux pas revenir en arrière sur le fait qu'il ait gagné 8 PV. Peut-être, ah, ça, peut-être bientôt 12. Jury a moins de cartes en main. Et Greg a pas encore joué Niv-Mizzet. Oui, c'est ça, surtout. C'est ça. Comment. Enfin, là, tu me dis, est-ce qu'il y a des outs pour remonter? Je vais te répondre oui. Est-ce qu'il y en a assez? Je vais te répondre non. Bah, tiens, on a trouvé une option pour. On sacrifie deux montagnes, du coup, ping, tu reprends deux. Oui, c'est pas mal. C'est un beau play. Oh, mais Memory Lapse. Oh, bah, faut passer à la 2. Faut passer à la 2. C'est. Voilà. C'est le jeu, il a décidé, là. Bonjour. Ouais, non, c'est. Je veux voir le chat. Le pire contre, je crois. Là, c'était vraiment le pire contre à avoir. Memory Lapse qui le met complètement dans l'espace. En vrai, se faire contrer le spell, hein, c'était même pas. Non, mais ouais, mais qui revient. Mais là, du coup, il le repioche et il a strictement rien à faire. Il a pas de carte en main. Il peut pas jouer jury. Il peut. Enfin. Il a gagné 4 PV. On met les cartes à l'horizontale, 7-17. Exactement. Non. En fait, là, il y a une question de gestion du temps. Dire, il faut que. Alors, là, on gagne deux derrière, donc il serait intéressant de. Et là, du coup, j'ai envie d'aller le taper. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune raison de jouer son Niv-Mizzet. Bah, s'il a rien en main. Bah, en fait, non. Okay. Parce que là, il donne des infos. En fait, la partie est finie. En vrai, la partie est finie, d'accord. Du coup, là, il va donner des informations sur ce qu'il joue. Ouais. Bon, Shoriki, c'est le Magic qu'on a. Supreme Verdict. Il n'y a que ça. Et du coup, il en choisit qu'un. Ah, c'est un petit Niv-Mizzet. Voilà. Vraiment, c'est faible. C'est faible là. Mais bon. Bon, du coup, il n'a pas révélé grand chose, ça va. Mais en vrai. Et on passe à la 2. Voilà. L'exemple 2, j'ai donné des infos. Parce qu'il piochait 3, c'était pareil. Hein. Le résultat était un conflip. Hein. 1-0 pour Corrège dans cette game. Qui avance avec son Niv-Mizzet pour l'instant. Il n'en a plus qu'une à gagner. Alors, du côté du jury, bah, on n'a plus le droit à l'erreur. Il va falloir tout gagner. Il va falloir être agressif. Alors que si jouait J-Trog, on serait encore au tour 4. Oui, c'est vrai. Merci. En train de fetcher. Je pense pas que je l'aurais pris à la carte. Pour la 16ème fois de la partie. Corrège, là. Le joueur de grenouille fou. Ou alors, il aurait pu nous sortir un petit Azusa. Ça aurait pu être le petit plaisir de temps en temps de sortir Azusa. Mais non, oui, c'est lui. Il a changé de deck 3 fois. Je vais pas mentir, mais avec Gris dans le format, je suis pas sûr qu'il le ressorte. Non, pour l'instant, non. C'est ce qu'il a dit. Il y a certains decks très forts, très identifiés, qui bloquent bien. Dont Niv-Mizzet, pour le coup. Ouais. Genre, je persiste et je signe. Je pense que dans les decks forts qu'on attend, mais qu'on ne soupçonne pas de forcément perf, il y a ça. Ça fait un peu garde-fou du format, c'est bien. Puis ça meurt sur Blood Moon, ça permet d'écrire dans les chats. Bah là en fait, avec cette version contrôle, bah il a pas cette sensation de dire je perds sur Blood Moon. Étant donné parce qu'il a les contres. Il a les contres pour empêcher. Pour ça, mais le piège c'est que si Blood Moon résolve, il a quand même perdu. Ah oui. Et ça. Parce que je pense pas qu'il y ait de Moon, ça du coup. Il y a pas de cryptique commande, on va pas se le permettre. Et comment tu le casses? Comment tu casses un cryptique? Tu peux pas. Non, je sais, c'est pour ça. Tu peux pas le lister. Il y a faux bah, avec les deux bleus, mais jamais on l'a hardcast, hein, donc du coup c'est là pour être pitch. Je suis même pas sûr que je joue au fond. Si, il la joue. Ok. Si. Il considère qu'il y a assez de pas créatures pour le faire. Là, je sais pas. Double mulligan, comme ça au moins on a arme égale. Mm. C'est quand même compliqué, on va être sur le play avec 6 cartes, on va descendre à peut-être à 5 voire 4 dès le tour 1. Niv, tu peux vraiment te permettre de mulligan? Ouais, ça a l'air assez permissif, ouais. Je sais pas si c'est encore mieux pour cette version-là ou la version midrange classique. Après, la version contrôle, t'as pas envie d'ouvrir une main avec que des contres. C'est ça le problème. Mais enfin, t'en as pas non plus 15. Hein, mais en fait, ton général écrit que tu vas jouer une 6-6 vol. Dans sa version, en vrai, tu m'aurais dit qu'il le jouait. On a la liste? Oui, on l'a. Vas-y, on a la liste. Pendant l'interronde. On a accès aux listes, on a les droits. On a accès aux listes. Payant. Est-ce qu'on considère qu'on a genre. Non, on n'a pas le temps. Je regarderai pendant l'interronde pour vous faire les stats. Parce qu'on a un ingénieur parisien qui nous a fait un truc en Python. Juste à mettre des trucs. Ouais, c'est genre KO. Regarde ce qu'il joue en plus. C'est KO. Oui, mais voilà. Mais, c'est un enfant, quoi. Alors, en il vrai. Il joue Comet. J'attends de le voir sur la table. J'ai fait une liste troll où je croue des créatures. En fait, tu crous des Ougak. Il y a quelques cartes marrantes qui sont sorties. En fait, ils jouent vraiment des tout petits contres de tempo, quoi. Vraiment, c'est pour leur lit. C'est Force Pike. Non, c'est juste pour embêter l'adversaire. Ouais, parce que tu es tranquille, tu fais les choses. Loose Focus, Manalik, Memory Lapse, Remand.
et Force of Will. Voilà, c'est... Mais moi, en fait, quand je vois ce genre de liste, je fais pourquoi tu joueras pas Kyodai, tu vois. Genre, j'ai vraiment envie de jouer Kyodai avec ce genre de liste. Ah, tu veux dire en général? Ouais. Du coup, t'as un général, du coup, t'as un général flash, hein. Oui, en plus. T'as un dragon flash 3-3 vol pour 4 qui donne un indestructible quand lui va faire. Il révèle pas 10 cartes, il fait pas le gros steak en arrivant sur la table. Bonjour, non, il tape à 8. Oui. D'accord. Il tape à 8 et c'est un counter spell. C'est une sorte de counter spell en CZ. On n'a pas de T1, on a un tapland et on n'a pas de T1. Solitude est en plus en main, donc on va pouvoir. On est plutôt. On a déjà bien de l'interaction. Il fetch directement, donc il va être actif T1. Qu'est-ce qu'il peut nous sortir T1? Il va pouvoir nous faire un brainstorm. Il s'est trompé de deck. Le seul dork, c'est Deathrite Shaman. Alors s'il l'a, il est vraiment royal au bar. Il s'est trompé de deck. Comment ça, il s'est trompé? Il fait T1 fetch Bayou. Et il est en mode c'est bon, je vais pouvoir faire des trucs. C'est ça, croprot. T1, Bayou, croprot. En fait, je croprot, il fait bah je comprends pas. Croprot, il me touche Asma. Je trouve pas Asma. Non, il te passe. Ah non, il te passe pas le oui, c'est vrai. Là, ça ressemble quand même. C'est vrai qu'il te passe pas, il y a aussi trace d'abondance. Il y a des goûts de. Trace d'abondance, ça a l'air quand même d'être sacrément particulier. Ah ouais, ouais, ouais. Il m'en a parlé. Trace d'abondance, t'as le droit d'aller la chercher. Attends. Tu peux remettre trace d'abondance? Déjà, ça fait ça, ok. Non, c'est juste que ça rajoute du mana. Ouais. Ouais, mais t'as pas le droit de le trigger. Ça marche pas sur un trigger. Hein. Créature récursive, ça c'est pénible. Donc on va peut-être. Est-ce qu'on va directement l'éjecter? Je pense pas. Hein. Non, ça fait trop cher. On va pas solitude pour ça. Ça fait beaucoup trop cher. Qu'est-ce que c'est? Il remet un deuxième. Attends, d'ailleurs, il a remis un deuxième enchantement de Nantes sur le bayou. Si je ne me trompe pas, il y a un défaut de liste pour le joueur de jury. Parce que la créature qu'il vient de poser, elle n'est pas dans la liste. Ah si, elle est là. Je biglouche. Ici, là, à côté du Tenacious. Non, mais où? Le Scrapep Scroger. Une bonne carte de Magic. Ouais. Là, il y a... Ça, par contre, ça tabasse. Voilà. On arrive dans le moment où, en fait, il va avoir le problème de Nijmizette si ça va trop vite. La solitude sur la Elia, ça... Alors, ouais. C'est vraiment dommage. C'est pas bien joué. Je pense quand même que s'il faut... Ce qu'il a envie, c'est de garder ses points de vie le plus longtemps possible. Et il y a un land qui est double enchanté. Par contre, s'il prend Oramar contre un Dagoudos, il y a peu de chance. Bah, en fait, il avait déjà land, tu vois, genre... Il a envie de temporiser. Il veut garder ses PV. Il se dit, bon bah c'est un tant pis. Ouais, il y a quand même sacrément un monde où je l'aurais bien laissé exiler à la carte. Je rêve ou il a pas land drop en fait, Grégoire? Non, il a raté son land drop. Ouais. Il fait 3 mana. Hein. Donc il est en train de voir les manas qu'il va mettre pour faire un Strix. Essayer de creuser pour avoir très bon bloqueur en plus, donc c'est excellent. C'est pas un land qu'il a trouvé, donc il va devoir attendre. Il lui reste normalement un land en pool et ça sera perdu malheureusement. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est dit, j'ai perdu mon land drop, il faut pas que l'Aelia me gratte des PV gratuitement. Donc il l'a forcé tout de suite. Parce que un exil sur Scraped, c'était quand même pas mal. Salut Cyprien. Assieds-toi, mets-toi tranquille. Tranquille, on a encore le matin. Bah il est midi, ça va, il est midi du matin. Il est midi du matin. Il est midi, ouais. 14h du mat. T4, qu'est-ce qu'on peut proposer T4 dans la curve? Ça on en a pas besoin, on le verra pour après. Gargadon. Non, en vrai on sait qu'il y a ce Cave of Chaos. Genre, point T4, ouais. T4 Tech V-Initiative. Oula. Ça sera un Yogmoth? Non. Ah si, Tech V-Initiative. Allez. Je l'avais pas vu. Mais en vrai, je pense que dans tous les decks maintenant, tu t'attends en T3 en blanc. Le mec joue blanc, T3 White Plume, T4 et là, Cave. Je me dis, la version contrôle d'Ibizet, c'est compliqué d'aller la récupérer. Hein. Bah ouais. Là, il va avancer tranquillement dans le donjon. On sait que l'initiative, ça avance tranquille. Hein. Bah en fait, il va falloir enlever ce Cave of Chaos avant le prochain tour. Parce que si tu l'enlèves pas, tu sais que tu vas avoir une grosse créature trample avec deux marqueurs +1/+1. C'est ça. Et tu sais qu'ensuite, tu vas prendre 5 dégâts gratos. Et que, en fait, tu n'as ça pas le droit. Vite, hein. Ça va aller très tu, très tu dois trouver le removal tout de suite. En fait, tu dois trouver le removal sans prendre de, sans prendre l'initiative. Et tu la prends ensuite. Ouais. Ah, peut-être que là, la solitude. Ouais, non, la Elia aurait tapé trop fort. Là, on est juste bien dans la curve hein, du côté de jury. Ça se met plutôt bien. On a fait chez fin de tour dans un trium, histoire de se donner des options en termes de couleurs. Bah là, il est fixe en fait. Ouais. Entre le Bayou qui est avec. Et tu l'avais dit, hein, il fait chez dans Bayou. Oui. Hein, c'est un réflexe hein, pour lui. C'est naturel. Il fetch alors Bayou. Bah pour le coup, même dans ma version, les deux. Alors, il y a Rogreen parce que ça fixe dans les splashs. Ouais. Et lui, par contre, c'est pas un splash, c'est l'inverse. Ok, il trouve son land. Il va se gratter 2 points de vie. Il se gratte 2 points de vie. J'espère qu'il a des solutions parce que il là, les a. Les points de vie, ils vont... Et sinon, il aura pas gratté. Ouais, mais ils vont descendre vite. Hein. Ils vont descendre en fait, là, littéralement, je crois qu'il peut faire 5 nids. Ça va Nimi 7. Je crois qu'il peut. Hein. Bah, il faudrait en fait dire j'ai mon bloqueur. Ouais, là, il parle des couleurs, mais c'est, ouais, ça s'enlève. On est ok. Voilà. Allez, trigger Nimi 7, on est parti. 10 cartes. Et on va récupérer les bicolorités uniques. Are you ready to rumble? Lune de flamme. Oko, c'est bien. Elix, c'est bien. Pas assez. C'est pas assez pour un Cave of Chaos. Okay.
Sachant que là, on part du principe, est-ce que Niv-Mizzet va partir au casse-pipe sur la phase de bloc? Oui. Je pense. Après, s'il part au casse-pipe... Le problème, c'est que s'il part au casse-pipe, il a plus moyen de récupérer l'initiative, donc il prendra 5. Ouais. Donc t'as envie de... T'as peut-être envie de tanker avec la bouche. Hein. Tu dis un tour? Oh. Ouais. Un tour, je tanque? Ouais, je pense que t'es obligé, en fait, de tanker un tour. On a le land drop. Bon, c'est alors le... Il y a le land drop, T5, on a plus trop envie. À part pour Hardcast, une furie, mais là on n'a pas envie, Niv-Mizzet est trop gros. En fait, tu ne peux. Enfin, il y a de grandes chances que tu trouves un removal. S'il l'a pas jusque-là. Jury. Ok. Est-ce qu'on va avoir des blagues? On attaque. On a mis les deux marqueurs. Ok. On exile, on peut. T'as déjà landé, dommage. Ouais, ça, c'est dommage. Toujours, hein, genre. Il a landé? Non, il n'a pas landé, du coup, il a que 4 sources. Il n'y a que 4 sources. Il a hésité, il a révélé un land. On sait qu'il avait été le chercher sur Tech Initiative. Mais il l'a pas landé. Du coup, il pourra jouer la carte exilée. Piétinement, on prend un quand même. Oui. Du coup, il a bloqué avec Niv. Ah ouais, ouais, ouais. Du coup, là, au prochain tour, il prend 5. Là, Koresh est à 7. Sauf s'il a une Tech Initiative. Mais je crois pas qu'il y en ait dans le deck. J'en ai pas vu. Pour la récupérer, le seul moyen qu'il a, c'est de taper. J'en ai pas vu. Voilà. Déluge toxique, on a plus trop envie de continuer à gratter les PV, la carte elle est un peu morte dans la main. Bah ironiquement, là il tankait avec sa bouche, ça pouvait presque être tentant. Oko. Bah Oko. Oui mais il pouvait pas savoir qu'il allait avoir le déluge. Hein. Oko, ceci est un elk. Ouais. On va transporter les déluges. C'est un elk. Non il fait un food. Il fait un food. Il fait un food, ouais. Ok. Il veut garder des, il veut tanker, il veut garder des ouais. Il fait Scraped. Il crawler qui. Ouais, Scraped qui revient. Oh, moi j'aurais quand même. Genre sur ce Scraped qui revient, j'aurais peut-être Elix. Là il tempo, mais en fait. J'aurais peut-être Elix Jury. Hein. La course va aller plus vite quand même côté, côté Jury. J'aurais quand même Elix et Jury en réponse du coup. Parce que là tu lui donnes des options. Hmm. Ouais, le Scrooger là qui est quand même solide, hein, c'est une carte. Typiquement les cartes récursives. C'est une clé. Hein. C'est, ouais. Ça fait des années qu'on le voit plus. Hein. En fait, ça fait des années qu'il est là, qu'on le voit moins. On l'avait vu pendant la période avec celui qui jouait avec le bouquin. Et Gargano. Ouais. Et bah, du coup, il faut. Il me semble que ça va. Va faire Bolver. Non, bah, non en réponse over. À la mise en truc, tu peux pas Élise d'éclair Jury pour éviter les conneries. Bah, en réponse, ouais, non, en réponse, il le fait en fait. Enfin, non, en réponse, il recommence. Oui, c'est vrai. C'est comme les gens qui me disent bah, la solution. Bah, tiens, Bars, tu vas pouvoir le dire vu que t'es dans le chat. La solution quand il y a Queen et Mind Over Matter, bah, t'anti-bet Queen et c'est fini. Bah, en réponse, tu recommences. Et un partout. Ça t'a coûté une carte de ta discard et tu continues ta liste de. Tu continues ta combo. La sortie du côté du jury était quand même balèze. Même le fait qu'il n'y ait pas de T1, ça fait deux fois alors qu'il a, il est quand même plutôt chargé en T1 dans sa liste. Alors que notre reporter de Rennes nous informe que visiblement le même joueur de jury aurait raté son win and in contre un Niv-Mizzet. D'accord. La semaine dernière. Ok. Ah, peut-être un enfin, Niv-Mizzet. C'est journaliste nantais. Après, je sais pas. Allez, on va aller s'attaquer à cette ronde 3. En vrai, c'est pas improbable que ce soit. Alors. Cette ronde 3. J'ai pas regardé qui a fait une top 8 là-bas avec le Niv du coup. Bah, j'ai pas toutes les stats. J'ai pas tous les trucs en fait. J'ai récupéré Marcel Moreau pour être qualifié pour les France. Ah bah c'est cool. Qualifié. Après, rien ne n'empêche d'aller participer dans le circuit. Pour éviter que d'autres personnes se qualifient. Non, parce qu'on a une clause pour ça aussi. Il y a une clause ça redescend... en fait, a une Les places redescendent ah, en fait, elles peuvent redescendre, mais il y a une limite en fait. Il y a une limite en termes de. Si tu as raté ton top 8 mais que tu as le même nombre de points que le 8ème, ça veut dire que tu as raté ton top 8 et donc ta qualif, non pas en nombre de points, mais au départage. Ok. Ce qui est acceptable. Ok. Et ça évite quand même de redescendre jusqu'au 12e, 13e, voilà. Ça va. Tu peux redescendre. C'est sympa. Et si t'es déjà qualifié, bah tu peux aller faire les CR. On vous encourage à le faire. Et aller chercher, pourquoi pas l'invite, par contre. C'est ça le truc. Ça allez, troisième manche. Déluge toxique directement dans la main. Strix. C'est pas mal ça. Planeswalker, mais j'arriverai pas à déterminer. Je crois qu'il y a un Planeswalker aussi. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait 4 landes. La main est plutôt pas mal. Hein. C'est Grist, j'ai l'impression que c'est Grist. Non, ça paraît bizarre. Pas Grist. Non, il joue pas. C'est pas le dessin de Grist. C'est un Planeswalker, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a mis les bons dessins déjà? Est-ce qu'il est gentil? Oh, j'avais pas vu le nom du deck. Ah, ça pourrait être Vren qu'il a dans la main. Ça. Ça part bleu noir, donc c'est pas Vren. T2. On va aller sur un Strix T2 par contre. C'est pas Vren, c'est pas Oko. Ça ressemble pas Oko. Alors, on est sur. On a le T1 cette fois. Toujours pas? Non. Ah, si. L'Oculus. Le zombie, ouais, comme tu l'avais dit, nouveau. Ça arrive tap. Ouais, et pour deux, tu le renvoies si jamais tu. Ah bon, on en profite de la une créature non squelette. Bah, non squelette, t'en as. C'est un type qui est quand même rare, squelette. Hein. Oh, il a pioché bois, je ça devrait aller.
Ouais, mais il peut pas le jouer. Il peut pas le jouer. Mais donc si on curve Jury tout de suite, oh, je pense pas. Mais... Il avait pas un triomphe à plein. Petit à plan là pour bluffer. Wash away Jury. C'est-à-dire que tu tapes. Wash away Jury. Ouais, voilà, tu tapes lent, tu joues pas ton Strix, tu le delay. Wash away Jury. Et tu tapes des petits tricks comme ça. Pas vraiment pour jouer ça. Ouais. C'est déjà fait de ce côté-là. Est-ce qu'on a le T2? Bah, il y a toujours un T2 dans Jury. Oui, c'est vrai. C'est Jury qui prend ce slot normalement. Est-ce qu'on y va directement ou est-ce qu'on a un autre T2? Alors pour avoir. Pour avoir sur l'UPF transporté quelqu'un qui jouait Jury, pas tant que ça en fait. Ouais. Genre c'est pas le T2 obligatoire. Parce qu'en fait t'aimes bien le jouer T3 avec un fetch backup pour déjà faire des choses. Mais je pense T2 c'est si t'es vraiment large. Ouais, ouais, c'est encaissé, on n'a pas envie de bloquer ça. Bon, c'est pas sur ça que t'as envie de le récupérer. On va revenir, ça va être pénible. Et bah à nouveau le retour de Scrooger. Et ça fait beaucoup de ce récursivité. Ouais, là, ça va être pénible. Faut exiler, sauf que bah exiler. Bah tu veux pas exiler. Faut pas exiler en masse. Hein. Bah tu peux pas exiler ce tout cul déjà. Le cul conscrit qui va revenir tout seul. Shurikai, Arcane Signet. On va Utopia Sprawl. Ok. C'est dommage que ce soit la seule source du coup. Et on va Arcane Signet. C'est fait qu'on a le Washu. Je vais me permettre de faire une réflexion, mais il pouvait faire Arcane Signet sur. Enfin, il pouvait Arcane Signet à ses mana. Utopia Pro avec le Arcane Signet et peut-être avoir 2 mana up pour faire quelque chose. J'ai pas vu le reste de la main, mais au moins il avait 2 up. Je crois qu'il y a que Wash Away qui aurait été joué, mais à 2. Ah ouais, bah, oui, non, mais ça aurait pas pu de toute façon avec une forêt. Mais il y avait des spells, quoi. Ouais, ou au moins tu peux représenter un contre à 2. Tu bluffais autre chose. Ouais, tu peux. Là, cette fois, on va bloquer. Là, on bloque, ça tue. Hop. Ouais. On prend sur ce culte. Pour 2 jurys, non. On a encore un T2 en plus dans la main. Ah non, on a cul. Oh, je crois qu'il y a Charizard. Ah non, ça par contre ça c'est fort. Harmonic Prodigy. Ça c'est très très fort. Hein. Si une capacité d'un chaman ou d'un autre sorcier que vous contrôlez trigger, bah, il trigger une deuxième fois. Et devinez l'un des deux types de jury. Il y a un trigger sacrifice. Et du coup ça. C'est un wizard. Ouais, c'est un humain. Non, c'est un chaman. C'est un chaman et humain. Chaman et humain. Et ça part en steak. On était 4, est-ce qu'on va go de Nive? J'ai pas l'impression. Je pense qu'il faut essayer de jouer les cartes de la main. On va peut-être des Shurikai. Ah, t'es 3 bah le v'là, l'Arpenteur, c'est Baby Tef. Baby Tef, into, je peux pas bounce. Bah si tu bounce, tu le perds. Il avait pas un verdict? Non, on avait pas dit verdict. Non, c'était Déluge. C'était Déluge. Déluge aurait pu être pas mal là. Bah il peut. Il a fait plus 1. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, les fameuses blagues que tu voyais sur Internet au moment où Teferi a été spoil et que K.O. faisait des... C'est vrai, pareil, j'avais vu Thomas Méchant. Plus un, fin de Tadro, je vais faire balance, parce que c'est pas assez fort de le faire en main phase. Le verdict suprême, j'avais vu en moderne, justement, pendant le tour adverse. Ça a l'air quand même assez sale. Tu peux pas contrer déjà de base parce que c'est verdict suprême, en plus parce qu'il y a Baby Tef, et en plus je te rase ton board pendant ton tour. Eh ouais. C'est bien, hein, on est content de jouer à Magic. C'est vraiment bien Magic. Là, la question se pose. Il faut gérer Steph. Alors, au moins, il peut faire ce boulot de temporisation, de dire bah, il va tanker les PV. Bah, il peut pas gérer Steph. En fait. Non, il a pas cette puissance. Il y a 3. Hein, en vrai, il prend. Je vais pas mentir, là, il prend le déluge toxique. Ah, il encaisse. Ça a pas attaqué Baby Tef. Du coup, il se dit non, j'encaisse, c'est bon. Ça attaque partiellement Baby Tef. On veut éviter. Ah, oui, s'il y en a un et un. Il y a une créature qui est partie dans les PV, une partie créature qui fallait est partie. Fallait faire l'un ou l'autre, fallait pas faire les deux, je pense. Ouais, j'aurais été dans l'idée de dire soit j'attaque tous les PV et soit j'attaque uniquement Tef. Jury. Fetch backup, je joue Jury, ouais, ça va permettre de faire un peu allez, de choses. Allez, le Washoe, il va partir. Non. 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 Toxic Déluge. Ouais. Toxic Déluge. Ouais, il a toujours 3 mana en backup, en up. Hein. Ouais, toxic. Ça va être toxique, ouais, fin de tour. Toxique. Washoe, il chopera au prochain tour. Au prochain tour, t'as 6 mana. Ouais. Tu gardes un bleu up, wash away sur Jury au recast. Ça a l'air pas mal. Hein. Ah non, il va le faire, il va wash away. Non. Ok, c'est là. Il va se prendre un point de dégâts en réponse. Alors, Déluge, il va le faire à combien du non, coup? Non, faut au moins payer 2. Il faut au moins payer 3, ouais. Parce que Jury va prendre un marqueur. J'étais en mode au moins payer 2, mais il y a le Prodigy, du coup, faut payer 3. Il y a le Prodigy, et donc du coup, Jury va prendre 2 marqueurs, donc 3, ouais. Après, c'est un peu la grid, hein. Ah, si, moi, je me serais permis de payer un. En vrai, est-ce que payer 5 oh, c'est risqué, ça le mettait à 8? Non, ça le mettait à 8. Hein. Ouais, c'était pas genre trop. Mourir, elle va remettre sa baffe. Hein. Sachant qu'il y a déjà un fait sur la table, s'il a un truc, un spell, genre là, un conditionnel. Là, si jamais elle survit, c'était pas bien. Si elle survit, bah on va la bouncer.
On va la bouncer, la limite. Si elle survit, ce sera limite mieux. Parce qu'elle perdra ses marqueurs. On n'a plus assez de marqueurs sur Teferi. Bah, il s'est fait attaquer. Il n'est pas à 3. Il est descendu à 2. S'il est descendu à 2, c'est le drame. Ok. Oh, on n'a pas fait de champ réponse. On n'a rien fait. C'est étonnant. Ça, par contre, ça part au cimetière. Living Dead. Oh. Bon, si c'est ça. Bah, c'est ça, c'est ça peut être que ça. C'est pas joué. C'est pas joué. C'est pas joué, non, c'est pas ça. Reanimate un nerf. Ouais, il y a ça. Pour 3. Shorikai. Non, pour 4, Shorikai. Oh, par contre, du coup, le... Quoi ? Dis-moi qu'il a 3 manup. Ouais, il a les 3 manup. Dont 2 bleus. Enfin, dont au moins un bleu avec l'arcade signature. Enfin, le sort de réanimation qui va prendre le wash away. Voilà, il va falloir. Bah ouais, mais... C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de fetch quand même. Ça ressemble à une game 3. Ouais, je pense que... Je pense que c'est un oubli. Oh bah non, quand même, tu sais que à chaque fois que tu sacrifies... Oui, mais je pense qu'il a juste oublié de le faire. Je vois pas pourquoi il l'aurait pas fait, c'est pas logique. Ok, on va le remettre aussi en fin de tour, on va remettre du board. Il remet un board. Il a enlevé l'occulte du coup. Je crois qu'il a enlevé le prodige. Ah non, le prodige est encore dans le cimetière. Non, c'est le culte. C'est une carte noire à enlever. C'est l'autre qui aurait pu revenir qui a été retiré. Kerzizev dans la main. Ouais, c'est pas... Je crois qu'on a le Manland. Ça a l'air d'être nouveau. Non, c'est pas le Manland. Il y a un Shizo. C'est pas ça. C'est Shizo. C'est Shizo, ouais. C'est Shizo. Ça donne la peur. Pas très bien comme texte, comme ligne de texte contre Nijmizet. Bah la peur, oui, ça va pas l'air bien contre une 5C. On va taper, est-ce qu'on va taper dans les PV ou est-ce qu'on va taper Teferi ? Quoi qu'il arrive, il y a un humain qui va, il y a un pilote qui va arriver. Ouais. Et... C'est vrai, c'est en ça que c'est fort. Et qui va protéger. Par contre, le wash away n'est plus. Le wash away n'est plus. On discarde des bras cool. On n'aura pas le temps c'est, de les c'est un des points cool quand même de jouer cette version, c'est que tu peux jouer des cartes quand même vachement grasses. Que bah, par exemple, on peut pas se permettre fetch. Dans d'autres versions. Encore un fetch. Est-ce qu'il a une heure sur Reanimate en main, c'est ça ? Bah. Sinon, il n'y a aucune raison d'avoir mis le général au garde. Season Pyromancer. Bah, on va discard 2. Du coup, ça veut dire qu'on va garder juste le sort de réanimation. Shizo. Kharizev, discard. Faut qu'on essaye de localiser ce qu'était la carte. Mais pour moi, je vois pas pourquoi ça aurait été au garde sinon. Je peux pas te dire là. C'est une décision de joueur. Hein. On a un élémental. Qui arrive aussi, donc on s'est refait un peu de board, mais les pilotes vont venir bien bloquer et temporiser la partie. Ce Teferi qui va grossir tranquillement. Ouais, il repasse à 5. Pouic. À 5 ou à 3, j'ai du mal à voir. Je pense que c'est normalement 5. Il a 5. Ouais, c'est 5 parce qu'il y a le 6 à côté. Donc c'est forcément le 5. Étant donné que ce n'est pas un dé mais un compteur de PV. On a toujours le wash away, on a le Rokirik en main aussi, ça pourrait être pas mal. On n'a pas d'autres cartes multicolores. Ça trigger assez mal, Wash Rokirik sur Wash. Ouais, bah oui, forcément. Mais on joue sur Rokirik parce que c'est quand même une très bonne carte. Bah, si on arrive à le faire tenir le tour et qu'on commence à jouer du multicolore. Bah, en fait, on va sûrement utiliser cette Taiga pour jouer. Comment ça s'appelle ? Pour faire la capa de Shorikai, on verra en fonction de ce qu'il fait après, quoi. Peut-être qu'on trouve mieux. On a un Eladramis Call. Ah, il a la damerie dans la main. Ouais, il l'a dans la main. Ouais, du coup, il a damerie fin de tour. Je mets une 4-4 ou pendant la phase d'attaque. Bah, je peux trouver solitude en fait. En plus. Ah oui. On écrase le board adverse pendant sa propre. Après, phase. Il a pas de carte blanche en main. Faut faire attention à ça. Je crois pas. Non, il a posé Rokirik. On sait qu'il wash away. Et la damerie, et après, il peut toper. Bah, non, il peut. Si, il peut toper une deuxième. Il peut toper double carte blanche on top, quoi. Mais... Oui, c'est vrai qu'avec Shorikai, il peut. Mais. Ça commence à faire beaucoup de 6 si on. Ça fait qu'on commence à accumuler les conditions. Ouais. C'est ça. Il me stresse les gens avec leurs attractions dans leur deck. Moi j'ai peur de ça. Allez, en phase d'attaque. On tape pour 5. Rokirik il a l'exproof, hein. Il a pas la protection. Donc même ouais. S'il bloque une créature, il est pas protégé en rien contre les blessures de combat. Rokirik c'est dur de le ping, sauf avec Mayhem Devil. Oui. C'est dur de le ball, c'est dur de le gérer hein, pour le deck. Mais il aime pas bloquer par contre. Ouais. Est-ce qu'on va d'abord faire Shorikai ? Ouais, normalement tu commences par Shorikai et tu réfléchis après. Je sais pas, il est en train de. Oh, il s'enlève une source de bleu. Il en a encore une. Plus il en a encore deux. Arcane Signet, c'est fort. Ok. Force Spike et. Force Spike, à mon avis, ça va sauter. Ouais. Mais c'est quoi l'autre ? J'ai pas réussi à l'identifier. Je crois que c'est Terlin.
Donc pas de carte blanche. Donc on peut pas la damerie plus, plus solitude. Plus solitude. On va la damerie, donc on a un trigger Rokirik. On va poser une 4-4. Ouais. Ce qui est costaud. Hein. Oui. Très fort, contre des aggro, 4 de body. Ces joueurs qui n'ont pas les tokens de leur deck là, alors qu'ils auraient pu demander aux copains qui jouent pas. C'est vrai. Après là, je suis venu les mains dans les poches. Ah ouais, bah t'as bien fait. Je n'ai je devais prêter des cartes. Au final on me dit je joue pas le deck, j'ai fait ok. Bah ouais, j'ai même pas les bilans qui se baladent. Tu poses tes fesses sur la chaise et on commente. Profite. Alors il en est où? Alors. Bah en vrai tu bloques la 3-2 parce que ça fait plus de points. Tu mets la 1-1 ouais sur la 3-2. Après ça dépend où sont partis les points. Ça dépend où sont partis les points. On n'a pas exactement de pouille sur l'élémental de dur. On met la 4-4 sur le L. En fait, t'as pas envie de tuer. On a pas envie de tuer Season Pyromancer. Parce que ça fait des 2-2. Ouais. Au pire, ça lui donne des outs et on n'a pas envie de lui donner trop d'outs. Il a quasiment plus de cartes en main. Du côté de Koresh, on est encore très large. Ouais, alors large, c'est un bien grand mot. Hein. Bah, on a toujours pas joué Nijmizzet. Oui, c'est vrai, il y a toujours on a toujours une 6-6 vol ouais. À première vue, draw 2. De ce que je regarde là en vitesse sur la liste. Ouais, c'est 2-3. Ouais. De Greg, ça ressemble à. Et de se donner un peu de fuel, mais le but est pas de faire des gros triggers Nijmizzet bien gras. Bon, c'est dommage quoi, pour 5, t'as juste une 6-6 vol draw 2. Genre, vraiment. Quand même. Ah bon quand même. N'abuse pas, n'abuse pas. Calmez-vous. Je suis désolé, il y a un moment. Alors... La carte, quand même. C'est-à-dire que même quand ça a l'air moyen, ça a l'air bien quoi. Même quand ça a l'air malin, ça a l'air bien. C'est ce genre de phrase quand même qui se dit. Zoos 2022, c'est okay. Parti. On a fait chier, qu'est-ce qu'on va nous pouvoir proposer main 2 Firex Santo, il n'y a pas de jury. Droite, comment ça s'est allé, hein. Il va s'étaler à base de tokens. Des tokens 1-1, des tokens 4-4. Toujours Baby Tef qui est là. Oui, en plus, de toute façon, Baby Tef, il n'y aura pas de réponse, il n'y aura rien. Ça, par contre, va falloir réagir. Magus Bah, ça sera Boomsay. Hein. Ouais. Heureusement. Ça sera Boomsay. Genre, faut pas paniquer. Le truc, c'est que, ouais, là, vu ce qu'il a sur la table, Magus, c'est pas un problème, voilà. C'est qu'une de deux. Hein. C'est... Exactement. Et du coup, il peut ramener son occulte parce qu'il vient d'attaquer. Il vient d'attaquer avec une créature non squelette. Ouais. Et là, du coup, bah. Moins 3 Teferi, on joue. Ouais, le Boons, on va draw. On va draw. On a Odnat dans la main en plus. King to Dust. Très bien pour les créatures récursives. Alors, je voudrais faire ça depuis mon cimetière. Non. Je vais target ça. Non. Alors, on part sur un Omnat. Là, ouais, on est en train d'annoncer les couleurs de mana et bling. Et la carte qui a cloué la première game. Alors, on est en train d'accumuler Omnat, Shuriken sur la table, Rokirik. C'est grand. Hein. Oh. Là, ce qui est marrant, c'est de se dire que le board ressemble à peu près à un board de Nijmizzet classique. Bah oui. Il a rattrapé la trajectoire voilà. Midrange. Sikrom Kost qui va arriver tap, c'est pas grave. On gagne 4 points de vie. Et je pense qu'en face, on va dire. Fromage quoi. Là, il pourra plus passer. C'est fini. Hein. J'ai du mal à voir comment il remonte. Mais après, le match-up est vraiment pas simple. Mitouk pour Reclean. Le match-up est vraiment pas simple. Mais après, faut repasser derrière, faut remettre du bord. De toute façon, Mitouk même pas, parce que Tachurika, il partira pas. Bah oui. Et il va recommencer. Il c'est juste que ça sera plus long. C'est pas grave. On peut même commencer à se permettre à attaquer avec 8-2. Non, 7 du coup, Rokirik est 3-1. Ouais, bah s'il a pas de bloquant, de toute façon, t'attaques avec. Oui, il est 3-1. Shurikai, en rituel, on commence à s'étaler sur la table. Là, on voit plus rien. Et on trouve un Oko. Non, mais c'est pas grave. Oko, c'est bien, c'est le petit bonus. Ouais, ça fait de la nourriture. Ça manquait dans la pile de cartes où c'est le magic qu'on aime, tu vois. Faut discard quand même, je crois. Là. Je crois que j'ai déjà dit 10 fois cette anecdote, mais on avait un UPF. Pas l'UPF, un Prime, où j'étais à côté de Carpenters. Je fais T1 Ragavan, je trouve le Teferi adverse. Oh. Il fait T1 Ragavan, il joue son côté 2. Genre les deux adversaires qui nous voient faire ça, genre vraiment je pense qu'ils étaient en mode... Ah ça crache. Non. Toujours en fin de game en fait. Ouais c'est ça. C'est pour le suspense. Les fins de game qui font crash le... Jury est retourné en exil, en CZ avec l'exil. Ouais c'est possible, on l'a pas vu pour le coup. Ça va vite revenir apparemment, bon, on va avoir des petites coupures comme ça. Mais c'est pas gênant, c'est vite rattrapé. L'envoyé spécial est parti relancer. On va vite récupérer. Comme d'hab. Ce qu'il faut faire, la technique, c'est ça. On remet face cam. Et exactement, on retrouve instantanément la vue. C'est impressionnant. Hein, c'est ça la technique.
Alors du coup, on n'a pas raté grand chose. Il a fait un Shurika, il a discard un Trium. Et j'ai l'impression qu'on s'est arrêté là pour ce tour-ci. Je l'ai pas. Même s'il est full tap. Oui, parce que c'est le tour où il a joué son Omnat. Et donc du coup, ça sent quand même le dernier tour. Il peut rejouer Magus. Il y a la Elia, mais la Elia, il y a trop de board en face. C'est trop gros. La pauvre Laelia, si elle a le malheur de vouloir attaquer. On remet un token, non? Bah, c'est qu'il est en train de changer la manière de les faire apparaître. Elle a envie d'attaquer. Quand je suis arrivé à côté pour remettre la caméra, j'ai Koresh qui m'a regardé en souriant. Ah bon? Il avait l'air content. Il était en mode. Moi, je suis trop fier de lui. C'est donc ça que ça fait de jouer un vrai deck de Magic. À Gitrog, il y a moins de choses sur la table. Bah, en fait, là, il voit qu'en fait, quand tu laisses ton adversaire jouer, des fois, il joue pas non plus. C'est ça. C'est-à-dire que là, il a passé 15 minutes, mais okay. Il se passe des choses. Sacrifier un token. Jury. Ouais, Jury retourne en CZ. Ouais, sur un exil, ouais, pardon. Ah bah oui, sans doute en rejoignant. Oui, bah pour le Scrapen. Le Scrapen. Ça fait une target. On a un fetch, on va regagner 4 points de vie. On va se mettre très très bien. Je pense qu'on va all-in, tour d'après, on va attaquer avec tout. YOLO. Qui trouve son land, hein, c'est tout. Reanimate me paraissait plus probant quand même. Reanimate me paraissait plus probant quand même. Ouais. Coucou Jessica. Probabilité que ce soit la Jessica auquel je pense. Il y a des chances. Je pense, ouais. S'il y a un oui qui spawn dans le chat. Ah, on wash away du coup, Jury. Allez, merci, au revoir. Allez, bonne journée. Et je vais t'attaquer avec tout mon board au tour d'après et je vais t'écraser. Ouais. Parce que là, en fait, même là, attends, il bloque 2-4-4. 1, 2, 4-4. La 3-1, le non, létal est on-board. Il est on-board. Le létal est on-board déjà. Là il est plus on-board. Ah, il est plus on-board. On a un troisième bloqueur. Et on peut pas booncer avec Teferi, il est à 2. On va pas attaquer. C'est ça le truc, c'est qu'on va trash block avec des créatures qui sont censées dire bah j'attaque quoi. Et c'est ça le truc qui est dommage. Quand le deck aggro se retrouve dans la situation. Dans la situation où on est censé être l'agresseur, on devient le défenseur, c'est quand même pas bon signe. Ah, il a que de donne en main. On va enlever un bloqueur. Faut pas laisser plus de 2 bloqueurs. Sinon après c'est le bordel. On pourra pas attaquer, on pourra pas l'étale. Là il a juste à. Ouais, Teferi pourra pas faire moins 3, il a cut down en main pour enlever une carte. En fait je pense que la il clé. Il peut shurikai pour trouver encore un anti-bet. La clé de ce genre de match-up pour jouer, c'est de pas dépasser le tour 6. C'est d'aller passer le tour 6. Ouais, c'est ça. Et que ton adversaire est vraiment en PV. Il a jamais joué Nimizette sur cette game. Qu'est-ce qu'il a récupéré? Je l'ai pas vu. Ouais, non, il dit go. Cutdown, ouais, bon. C'est bon. Oh, il avait push aussi, cutdown et push. Voilà. C'était un peu trop la fête au village. Ça fait trop. Ça fait. Mais Koresh qui avance, du coup. Pour le coup, je sais même pas. Si, il était assez haut de table. Il était table 7, je crois, un truc comme ça. Ouais. Dans les 10, donc il était en train de gagner. Donc on a un Koresh en 2-0. On va commencer à voir. On va prendre les decks, non pas forcément les premières tables. On va prendre les decks qui sont soit en 2-0, soit en 1-1, mais qui nous paraissent intéressants en termes de match-up. On va repasser face cam.